Cassie, dis-nous, est-ce que tu veux aller dehors? Est-ce que tu es sûre que tu ne veux pas aller dehors? Voilà. Donc, bonjour les chéris. Bonjour, bonjour. Regardez le temps qu'il fait à Bordeaux. La pluie, la pluie, la pluie. Les escargots sont contents, ils dansent. Et là, aujourd'hui, c'est Coquelicot qui va danser sous la pluie, puisque aujourd'hui, je vais prendre la route en direction, eh oui, des Alpes. C'est joli quand même. Qu'est-ce que tu veux dire, Cassie? Cassie, qu'est-ce que tu dis? Bon, elle dit pas grand-chose et elle veut même pas mettre le nez dehors. Oui, exactement. Exactement. Donc, pour info, quand même, Krissa m'a rejoint à Bordeaux-Lac. Ici, ça s'appelle Bordeaux-Lac. Elle m'a rejoint avec une copine, puis après, il y a une autre copine qui est venue hier au soir, suite au rassemblement des femmes du groupe de Facebook. C'est féminin, camping-car au féminin, quelque chose comme ça. Pardon, Coralie, j'ai oublié le nom de ton groupe. Un groupe très sympa, très actif, très très bien. Bonne ambiance. Bon, moi, j'en ai vu qu'à petite dose et ça a été vraiment très très sympa. Et là, je quitte de nouveau Chrissa, puisque elle va partir du côté de La Rochelle, donc elle reste du côté Atlantique. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je vais du côté plein est, puisque je vais au-dessus de Valence. Oh, je me donne 3 jours pour traverser, ça va, hein, tranquille, tranquille. Hein. Donc je vais encore voir de la famille. Et après on se rejoindra après, un peu après la mi-juin, sûrement, peut-être. De toute façon, on se rejoindra, ça c'est sûr, certain. Allez, moi je vais continuer de me préparer, je suis trempée. Je suis allée jeter mes poubelles et il pleut, il pleut, il pleut. Tu vois là comment il pleut. Krista va sûrement passer pour me faire une bise, pour se dire au revoir. Et puis voilà. Allez, je vais bientôt prendre la route.
Ça y est, je suis arrivée. Je me fais une pause pour la nuit juste en dessous de Tulle. Je te mets le spot si j'y pense. Ça n'a rien de formidable, hein. C'est un parking à côté du Super U, donc c'est pratique. C'est au calme, je pense, parce que là, il est 4 heures de l'après-midi et c'est assez calme. Il faut dire qu'il fait un temps tellement atroce que du coup, il n'y a pas, voilà, il n'y a que les voitures, les gens ne marchent pas dehors et tout. Ça va. Pour une étape nuit, c'est parfait, impeccable. Je vais faire deux courses à Super U, j'avais besoin de lait, j'avais besoin de pain. Voilà, c'est parfait. Cassie a voulu quand même sortir, et eh ben je l'ai laissée sortir, mais je sais où elle est sous coquelicot, elle doit regarder les gouttes pleuvoir dans tous les sens. J'ai laissé un peu la porte ouverte, mais bien sûr, il pleuvait à l'intérieur, donc là j'ai fermé. Je vais aller chercher dans quelques minutes, voir si madame veut rentrer. Oui, parce que j'ai quand même essayé déjà deux, trois fois de la faire rentrer, mais elle n'a pas voulu, quoi. Elle est sous coquelicot, elle en avait marre, je pense, de rouler. Bon, voilà. Bon, cette traversée de France pour aujourd'hui se passe bien. Demain, je vais faire encore une petite étape. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, hein, je vous l'avais dit, mais bon, c'est vrai que je vous ai dit de la famille tout à l'heure. Donc, je vais voir mon papa, je vais rester quelques jours avec mon papa. Je vais voir des amis aussi qui sont là-bas. Peut-être un ou deux abonnés, hein, qui sont pas loin du tout de Pont-en-Royans, puisque je vais à Pont-en-Royans. Et on verra bien si je vous vois. Donc vous êtes prévenus. Je pense arriver à Pont-à-Royan vendredi après-midi. Peut-être que écrivez-moi par mail, hein, si jamais vous voulez qu'on se voit. Parce que là, je ne suis pas chez moi. Donc je préfère quand même que vous me préveniez si jamais vous avez envie qu'on se voit. On se donnera un rendez-vous quelque part et tout. Il y a vraiment pas de souci. Donc là, je viens de quitter, j'ai encore quitté Christa, c'est un peu bon. C'est vrai qu'on est bien, toutes les deux, on s'entend bien. Elle m'a présenté aussi une dame super adorable, c'est Flo. Vraiment un coup de cœur pour Flo, vraiment super sympa, génial, on a refait le monde, ça fait du bien tout le temps de faire et défaire le monde, c'est absolument génial. Et c'est vrai que d'un seul coup, me retrouver toute seule, ça fait bizarre. Mais ça fait un peu du bien aussi de se poser, de prendre un peu la route. La route, ça permet toujours de réfléchir. C'est une sorte de méditation active, quoi, tout simplement, hein. Bon, t'as vu les paysages, j'espère que ça t'a plu. Je t'en fais pas trop trop voir parce que sinon c'est un peu longuet. Là maintenant, je vais me poser, je vais boire un coup. Je vais tenter de récupérer Cassie si madame veut rentrer. Je te fais plein plein de gros bisous. Salut, salut!